Ces temps-ci, les sujets de vidéos s'imposent d'eux-mêmes. Au premier rang de leurs sources, la situation critique des banques dans l'Union européenne. Bonjour, c'est Pierre Maumont, content de partager avec vous une nouvelle vidéo sur les développements de la crise bancaire en cours. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord soyez les bienvenus, et afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai amené à produire sur ce sujet, et de manière plus générale sur ceux du patrimoine, de la finance et de l'économie, eh bien c'est simple, il suffit de vous abonner pour ça en cliquant sur l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran, ou en cliquant sur le plus PLUS majuscule en dessous de la vidéo pour faire apparaître le menu déroulant, au centre duquel vous trouverez un lien pour vous abonner directement. Je vous ai déjà parlé de Jean-Pierre Chevalier, cet ancien prof d'économie, en l'occurrence spécialisé dans l'analyse de la finance bancaire, qui œuvrait à l'Université de Nice et qui tient aujourd'hui un blog fameux, en tout cas fameux chez les professionnels de la finance, consacré à bien analyser à longueur de temps les bilans des banques, grandes ou petites, de tous les pays de la planète, en tout cas de tous les grands pays. Je vous en ai parlé récemment, il y a une ou deux vidéos de cela, pour attirer votre attention sur le fait que l'analyse qu'il faisait de la situation des banques dans l'Union européenne, qui selon lui avait été sauvée au cours du printemps de cette année grâce à une injection de 1900 milliards d'euros de la part de la Banque centrale auprès de ces banques, coïncidait exactement avec l'analyse que j'avais produite personnellement au moment où s'est produite cette injection, c'est-à-dire vers le mois d'avril, et je l'avais signalé dans une vidéo. Ma propre analyse était que le montant de l'injection était de 2000 milliards, parce que je faisais ça à la louche, et que c'est bien cela qui, à la fois, sauvait les banques de l'Union européenne, donc le système bancaire de l'Union européenne, et qui, en même temps, dévoilait le poteau rose, à savoir que ces banques étaient au bord de l'effondrement. Dans une nouvelle vidéo sur laquelle je suis tombé de manière fortuite parce qu'elle m'a été présentée dans la colonne de droite des vidéos que je regardais sur YouTube, vidéo que je vous conseille, elle est très intéressante, elle doit s'appeler les conséquences du Covid sur les banques ou quelque chose comme ça. Enfin, je pense que si vous tapez Jean-Pierre Chevalier novembre 2020, vous trouverez la liste des vidéos récentes et vous trouverez celle-ci qui à la fois est pédagogique parce qu'elle rappelle des choses utiles sur le fonctionnement du bilan des banques, qui sert bien sûr de préambule à sa démonstration. Vous n'apprendrez rien de plus que ce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, sauf que ça fait une révision pour ceux qui ne se rappelleraient plus très bien, et puis pour ceux qui n'auraient pas vu ces vidéos, eh bien, vous apprendrez beaucoup de choses. Ça vous donnera véritablement les clés pour comprendre ce qui se passe actuellement au niveau des banques de l'Union européenne et pourquoi la situation est aussi grave. Alors, dans cette nouvelle vidéo, Jean-Pierre Chevalier, au bout de à peu près à la moitié de la vidéo qui dure une douzaine de minutes, pas plus, pointe avec des chiffres extrêmement inquiétants, qui n'est pas de lui, mais qui sont des chiffres officiels, un risque très important, une très forte probabilité de faillite de la Société Générale dans le courant de l'année 2021. Quelle est son analyse? Eh bien, dans un premier temps, il fait l'exercice auquel je me suis livré il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'il nous présente le bilan des banques et nous signale qu'en ce qui concerne la Société Générale, les fonds propres sont de 43 ou de 45 milliards à l'heure actuelle, enfin, c'est le chiffre que l'on avait en 2019, ce sont les derniers chiffres connus. Donc la Société Générale présente à son bilan des fonds propres qui sont de l'ordre de 43 milliards en 2019. C'est un chiffre que vous devez avoir en tête si vous aviez bien écouté certaines vidéos que j'ai faites sur le sujet, où je vous parlais notamment de ceux de la BNP qui sont de l'ordre de 80 milliards. Et aussi bien pour l'une que pour l'autre, et comme la plupart des grandes banques françaises et de l'Union européenne, ce que j'appelle les grandes banques, encore une fois, ce sont les banques dites universelles, c'est-à-dire qui font à la fois du prêt et qui spéculent en bourse. En face de cette réserve réelle de solidité de la banque, donc qui sont ses fonds propres, qu'on appelle le courtier 1 dans le jargon bancaire, il y a des prêts qui font des centaines et des centaines de milliards, parce qu'il y a
de l'autre côté du bilan, donc au passif, en plus des fonds propres, il y a des emprunts que la banque fait, puisque le rôle de la banque, le rôle d'une banque, c'est d'emprunter de l'argent pour des durées courtes, en tout cas à vue très souvent, donc notamment chez l'argent des déposants, et puis d'autres sources de prêts, enfin de financement, et puis de convertir cet argent en prêt à long terme pour ses clients. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est le ratio entre ce qu'il y a du côté du passif dans la partie emprunt comparé à la partie fonds propres. Donc, ce qui ne va pas dans les banques européennes, et notamment dans une banque comme la Société Générale, qui est plus ou moins un champion, la Deutsche Bank, des mauvais ratios, c'est que là où il faudrait un ratio de l'ordre de 10, c'est-à-dire que les emprunts au passif, la partie emprunt souscrit par la banque, donc sa partie dette si vous voulez, au lieu d'être maximum 10 fois supérieur au fonds propre, donc il faudrait qu'il y ait 400 milliards, c'est beaucoup plus que cela. On a un ratio qui est de l'ordre de 20, 30, 40, bon, je ne me rappelle plus quel est le chiffre en Société Générale, ça peut être 40 ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire qu'elle prête autant de l'autre côté, et on comprend que en cas de problème sur ce qu'elle a prêté, en cas de perte sur ce qu'elle a prêté, eh bien, elle aura eu quelques difficultés à rembourser les dettes qu'elle a souscrites, et son matelas de sécurité, ce sont simplement ses fonds propres. Alors, ce que nous dit de nouveau Jean-Pierre Chevalier, c'est l'entreprise à se classer en trois sortes. Ce sont celles qui sont sûres, c'est-à-dire les créances. Hein, autant pour moi, je parle des créances. Ce sont celles que l'entreprise est sûre de retrouver avec, disons, 99 chances sur 100. Ensuite, celles qui sont relativement incertaines, celles qui sont douteuses, et puis celles qui sont tellement douteuses qu'on peut les considérer comme perdues. Alors, à la Société Générale, la partie créance douteuse, qu'on appelle dans le jargon de la finance internationale, donc qui sont des termes anglais, les non-performing loans, hein, donc les prêts non performants, comme cela est joliment dit, ça représente à peu près 45 milliards, auxquels il faut ajouter une masse de l'ordre de 1% sur ce qui a été prêté. Donc à cette masse de non-performing loans, donc c'est-à-dire de créances douteuses, qui sont non pas de 45 milliards comme je vous le disais, mais de 50 milliards, si on ajoute les quelques milliards supplémentaires qui sont le taux de déchets statistiques qu'il y a sur l'ensemble des prêts de la banque, on est à 55 milliards de prêts de risque de perte sur ces prêts. Sur les prêts qu'elle a consentis pour la banque, ça c'était les chiffres de 2019. 55 milliards d'un côté, 45 milliards de l'autre au niveau du bilan. Alors c'est vrai que sur les 55 milliards de créances douteuses, il n'y aura pas 55 milliards de pertes, mais ça peut tourner sur des montants de plusieurs dizaines de milliards. Ce n'est donc pas brillant. Là où les choses deviennent beaucoup plus graves, c'est avec la survenance du Covid. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit il y a quelques mois sur les risques qui pesaient sur le système bancaire européen. Je vous avais signalé que la masse de prêts aux entreprises consenties par le système bancaire était de 14 000 milliards, donc on est sur quelque chose qui est costaud. À 14 000 milliards, c'est plus que le produit intérieur brut de l'ensemble des pays de l'Union européenne. 14 000 milliards, que sur ces 14 000 milliards, il y avait évidemment, pour faire ce que je viens de vous dire pour la Société Générale, ça, c'est, qui s'applique à toutes les banques, il y avait évidemment un certain taux de créances douteuses. Ordinairement, ces créances douteuses, c'était quelques pourcents, enfin, il y aurait quelques pourcents de pertes, comme d'habitude, mais qu'avec le Covid, on aurait beaucoup plus de créances douteuses qui seraient réellement perdues, et je vous avais comme ça indiqué au doigt mouillé, je vous avais dit, ben, prenons par exemple 10%, ce qui est beaucoup plus que d'habitude, mais ce qui n'est pas non plus un chiffre cataclysmique, mais s'il y a 10% de créances douteuses qui sont perdues au niveau du système bancaire européen, on sera à 1400 milliards, hein, 10% de 14 000. 1400 milliards, eh bien, figurez-vous que c'est pile poil les chiffres que reprend Jean-Pierre Chevalier
qu'il n'a pas sorti de son chapeau. Je pense qu'il a fait personnellement à peu près la même analyse. En l'occurrence, ce sont les chiffres qui sont fournis par la Banque Centrale Européenne. Donc ça veut dire que les autorités financières et bancaires de l'Union Européenne s'attendent en 2020, les banques aient 1 400 milliards de défauts sur leur crédit. On s'est donc passé du régime qui en 2019 était de 500 milliards de défauts, donc on va dire qui est la proportion habituelle, à 1 400, c'est-à-dire le triple. Si on applique ce ratio à la Société Générale, eh bien on voit que le taux de défaut, enfin la masse des défauts qu'il faut attendre pour la Société Générale en 2021 du fait du Covid, sauf amélioration formidable de la situation économique, pour des raisons, le vaccin qui aura un effet immédiat, ce ne sera pas le cas, on le sait, eh bien, le taux de défaut, enfin, la masse de défauts qu'il faut attendre pour la Société Générale en 2021, eh bien, ça sera donc le triple, donc à la louche, ça fera 150 milliards. Donc, un risque de perte de 150 milliards en face de capitaux propres qui sont toujours désespérément de 45 milliards. Là, on a de très fortes chances que on constate en cours d'exercice 2021 ou au plus tard à la fin que les pertes réelles dépassent très largement les 45 milliards des capitaux propres. Et dans une entreprise, que ce soit une banque ou un magasin de chaussures, quand on a perdu plus d'argent qu'on a de capitaux propres, ça s'appelle la faillite. À partir de cette constatation, car pour l'instant ce n'est qu'une constatation, il n'y a aucune interprétation de la part de Jean-Pierre Chevalier, voilà, il met en regard des chiffres qui sont des chiffres officiels et les conclusions s'imposent elles-mêmes. Alors, donc à partir de là, eh bien Jean-Pierre Chevalier nous dit, ben moi je ne sais plus ce qui va se passer, parce qu'effectivement là on entre dans la prospective, dans la divination, il n'est pas connu comme étant un messie, un oracle, donc il dit, ben je sais pas. Alors, je sais pas, mais évidemment, les solutions, il n'y a pas 50 000. C'est soit, il nous parle de la situation, de ce qui s'est passé en Grèce et à Chypre. Je vous rappelle qu'en Grèce et à Chypre, en 2009-2011, c'est tout simplement l'application, avant que ça s'appelle comme ça, du buy-in. C'est-à-dire qu'on a pris l'argent des déposants pour enfouer les banques qui étaient exsangues. Voilà. On en revient à ce fameux buy-in dont je vous parle déjà depuis au moins un an, hein, le buy-in qui fait partie d'un ensemble qui s'appelle la BRRD. En face du risque de buy-in, on nous dit qu'il y a la garantie des dépôts bancaires à hauteur de 100 000 euros, dont je vous expliquais, et dont tout le monde a dû vous expliquer que ces 100 000 euros, il faudrait qu'il y ait infiniment plus d'argent qu'il y en a dans la caisse de l'organisme de garantie, pour que la garantie soit efficace. Ben voilà quoi, on s'achemine, surtout quand on est client de la Société Générale, vers le risque de subir un buy-in. Maintenant, ce n'est pas la première fois depuis quelque temps que des banques sont menacées de buy-in, pour faire ce que je vous disais en introduction. La situation serait la même pour quasiment toutes les banques du système européen s'il n'y avait pas eu, il y a 6 mois, l'injection de 1900 milliards. Donc, on voit bien que ce qui s'est passé il y a 6 mois, ça a été le renflouement du système par la Banque Centrale. Donc on a créé 1900 milliards de fausses monnaies, donc de monnaie puite qui tombait comme ça, pour sauver les banques. Est-ce que de nouveau, dans le courant de l'année 2021, la Banque Centrale va pondre les milliards qu'il faut pour sauver la Société Générale, qui est le sujet de cette vidéo, ou en tout cas le centre de cette vidéo, et puis probablement beaucoup d'autres banques, car si la Société Générale fait partie quand même des animaux les plus malades dans la ferme des banques européennes, il y en a d'autres qui sont très très mal, qu'on fait à la Deutsche Bank, et puis qu'on fait beaucoup d'autres qui sont peut-être moins mal, mais qui risquent fort de sombrer avec la vague de crédits non remboursés, de défauts qu'elles auront sur leur crédit dans le cours de l'année 2021. Donc peut-être qu'on refera de nouveau une injection massive de fausses monnaies. Ce n'est jamais certain à l'avance, ce genre de choses, car il faudra bien à un moment donné qu'on arrête, parce qu'on ne peut pas indéfiniment injecter dans un système monétaire qui se chiffre en milliers de milliards, des milliers de milliards. Je vous l'ai dit 100 fois, on détruit la monnaie, beaucoup de gens l'ont compris.
Alors, je vois d'ailleurs que les PDF, les ressources que je mets en libre accès sur, dans mes vidéos ou sur mon blog, depuis quelques semaines, ont connu un succès absolument phénoménal. Vous êtes plus de 1000 à être passés en une quinzaine de jours sur le formulaire de commande, et vous êtes environ 500 à l'avoir effectivement commandé, c'est-à-dire à avoir inscrit votre email pour le recevoir. C'est énorme. J'ai déjà eu d'autres PDF qui ont connu beaucoup de succès, mais à ce niveau-là, ça indique qu'il y a une prise de conscience massive dans une grande partie de la population de l'acuité du risque qui pèse sur leurs dépôts en banque. Alors, comme issue possible, Jean-Pierre Chevalier, étant quelqu'un d'extrêmement connu et respecté, ne peut peut-être pas se permettre d'émettre des hypothèses qui seraient fausses, et puis qui s'avéreraient fausses, au moins certaines d'entre elles s'avéreraient fausses. Moi, je peux me permettre de me tromper, et j'accepte que mon public soit conscient qu'il m'arrive de me tromper. Cela fait partie de l'honnêteté qu'il y a entre nous. Alors, je vais quand même émettre deux hypothèses. La première, c'est le sauvetage dont j'ai parlé, le sauvetage pur par la Banque Centrale, donc un nouveau TLTRO, hein, ce qui est la formule qui a été employée il y a 6 mois pour sauver le système bancaire européen. Bon, TLTRO, ce sont de prêts de très long terme, de refinancement, hein, ça s'appelle le RE, le R dans le TLTRO, ça veut dire refinancing. Refinancement, donc, c'est un terme qui est tout à fait orthodoxe en matière bancaire. Au financement, ça ne sent pas le soufre. Sauf que le refinancing, en l'occurrence, est à des taux complètement ridicules. Et puis, vous remboursez quand vous pourrez rembourser. Donc, on est plutôt sur du don déguisé. Donc, on est dans des choses pas du tout orthodoxes. Donc, c'est soit cette solution, soit le buy-in, hein, voilà. Soit un mix des deux. C'est-à-dire, on fera mettre les clients au pot, mais pas totalement pour ne pas créer un mouvement de révolte. Et puis, le reste sera complété par la Banque Centrale sous forme de TLTRO, par exemple, partiellement, de façon à limiter cette fois l'injection de monnaie. C'est une solution. Donc ça serait mixte. Et puis on peut même imaginer qu'une fois que tout cela sera fait, il y a une nationalisation qui se produise, parce que personnellement, je ne vois pas au nom de quoi on laisserait dans le secteur privé, dans le domaine privé, autrement dit, au profit d'intérêts privés qui sont les actionnaires, il n'y a pas que des petits actionnaires, il y a aussi des gros, un organisme aussi massif qu'une banque de la taille de la Société Générale, et dans laquelle c'est le public, c'est-à-dire les gens, qui est obligé de payer. Si cette entreprise ne peut plus fonctionner dans le contexte actuel, j'en ai parlé dans une vidéo récente, il faut trouver autre chose. J'avais même imaginé comme solution, vous en rappelez peut-être, que toutes ces banques qui ne tiennent plus debout dans le contexte des taux nuls, des taux négatifs même, deviennent purement et simplement des guichets de la Banque Centrale, pourquoi pas. Alors, la conclusion, elle s'impose d'elle-même, c'est que l'année 2021 va être passionnante à suivre du point de vue bancaire, probablement dramatique, parce qu'on assistera certainement à des faillites. Les banques qui ne sont pas systémiques seront peut-être sacrifiées, on les laissera mourir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on empêche l'effondrement du système, parce que si une banque comme la Société Générale se casse la figure, c'est l'effondrement du système bancaire européen, et peut-être même mondial. Donc la Société Générale, on ne la laissera pas mourir. La question, c'est avec l'argent de qui ? Voilà. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, rien de plus que ce que je vous ai déjà signalé dans d'autres vidéos sur ce sujet, de manière plus large que le cas de la Société Générale. Vous avez des ressources en accès libre et gratuit en dessous de cette vidéo et puis d'autres vidéos qui ont précédé. Vous avez aussi accès à ces mêmes ressources à partir de mon blog questionfinance.fr, pour lequel vous avez un lien sous la vidéo. Vous avez également ma formation sur l'or, formation sur l'or qui n'est pas directement
quelque chose en rapport immédiat avec la banque, mais bien évidemment, la tempête bancaire qui pourrait se déclencher nécessitera des protections, dont l'or est la protection ultime. Vous le savez que j'avais aussi une formation sur l'économie qui devise à l'étranger. Cette formation, j'ai fermé sa commercialisation, notamment pour me consacrer à d'autres formations, et en particulier, je vous annonce aujourd'hui que je m'attelle dès cette semaine, enfin dès lundi, à la formation sur pourquoi et comment expatrier du patrimoine, son patrimoine, c'est-à-dire que là, j'irai plus loin que la seule solution des comptes multidivises à l'étranger. Il y a également d'autres volets patrimoniaux et dans l'expatriation du patrimoine. Ça va être la formation que je vais sortir d'ici une quinzaine de jours. Bon, je pense que là, on aura quelque chose de complet, l'or, les comptes multidivises à l'étranger et le cadre général de l'expatriation du patrimoine. Donc voilà, à mon niveau, ce que je peux produire comme solution, comme piste pour vous tenir prêt à ce qui va se passer. J'en ai terminé avec cette vidéo. Bien entendu, si vous estimez le sujet intéressant, et personnellement je pense que le sujet est plus qu'intéressant, il est essentiel, bien lever le pouce. Lever le pouce afin que tout le monde sache que cette vidéo est source de solutions possibles. Commenter, comme d'habitude, le sujet mérite toujours d'être commenté, partagé. Inscrivez-vous sur la chaîne si ce n'est encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt.